Acclamons par le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Nous invoquons le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Nous voulons chasser maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Lâche-la. Sa vie ne t'appartient pas. Sa vie ne t'appartient pas. Tu la libères maintenant. Quitte la vie. Voilà, quitte. Va-t'en. Lâche-la. Va-t'en. Libère-la. Tu la libères maintenant. Voilà, pas. Yeah.
Lâche-la. 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 Feu sur toi. Feu. 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 Hey. Feu. Hey. Thank you.
Au nom de Jésus. Hey!
délivrance. Comment? Feu! Hey! Nom de Jésus. Feu! Voilà, va-t'en.
Thank you.
tu es Seigneur mon Dieu. Si c'est pas toi mon Dieu. Lâche-la. Voilà, lâchez.
Quels sont ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, enfants ou grandes personnes initiées par la sorcellerie? Venez déjà ici. Ceux qui vivent un esprit de sorcellerie, tu es convaincu que tu as été initié par la sorcellerie. Tu as besoin d'être délivré. Sors. Parce que ce qui se manifeste dans la vie de cette sœur, je vois un esprit de sorcellerie qui est en train de se manifester en elle. Quelqu'un qui a eu un esprit, pas qui est attaqué par la sorcellerie, pas qui a eu une influence de la sorcellerie, non. Quelqu'un qui a eu l'esprit de la sorcellerie. Donc la sorcellerie s'est développée en cette personne. Qu'elle veut maintenant se débarrasser de ce démon, vous mettez là, tout gentiment, pour que je puisse vous aider. Je me suis fait comprendre. Est-ce qu'on a compris ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit quelle est la personne que le sorcier attaque. Non, on est d'accord là-dessus? Je n'ai pas dit quels sont ceux qui voient les sorciers en rêve. Non. Celui qui a l'esprit même de la sorcellerie. Voilà. Qui est sorcier. Voilà. Vous voulez ça? Amen. Vous voulez qu'on appelle ça comme ça? On appelle le chat un chat. Non, 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 faut pas me demander papa, papa, je vous ai dit quelque chose. Voilà, si on est d'accord avec ça, on se met là. Et puis quand on vient ici, on ne rentre pas à gauche, on ne va pas à droite, on ne va pas à Montrouge pour revenir vers la Tour Eiffel. Tout ça, on dit directement ce qu'on a fait et qu'on vous délivre rapidement. Nous sommes en pleine science de délivrance. Amen. Amen. Restez toujours là dans cet esprit. Nous allons continuer à prier. Il faut que les démons partent de votre vie. N'est-ce pas? J'ai fait tout à l'heure une proclamation sur votre vie. Il faut que vous partiez. Il faut que les démons se débarrassent de votre vie. Quand un démon est dans votre vie, il constitue comme un blocage. C'est une présence du diable en vous. N'est-ce pas? D'une manière subtile, qui suce votre bénédiction, qui les empêche. Non! Au contraire, c'est l'Esprit de Dieu qui doit régner en vous. Qu'est-ce qu'il faut encore là, le démon? S'il est là, il est là pour quelque chose, il est en train de te nuire. Il est en train de te détruire, il faut le chasser. On m'a saisi? Amen. Oui, c'est saisi. C'est un pouvoir d'initiation. Il ira. D'accord? Vous ne pouvez rien, ni moi ne peux rien, Jésus seul peut le chasser. Et moi j'ai foi en ça. Et non, il le chassera. D'accord? Ah ben oui, il ira. Voilà, on poursuit, il partira aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est une petite minute seulement qui reste. D'accord? Il faut être patient, c'est tout. Hein? C'est pas vous qui me guidez. Vous restez là et laissez-moi travailler. D'accord? Sous l'inspiration que je ressens, et laissez-moi continuer de vous aider. Ok? N'écoutez pas l'esprit, écoutez Dieu. Beaucoup de personnes étaient dans le même que toi, tu es délivré. Si tu n'es pas encore délivré, c'est qu'il y a quelque chose. Ce que je vois en toi, c'est un dragon. Ils t'ont donné de la sorcellerie. C'est comme de la chair humaine qu'ils t'ont fait manger, et que tu es rentré dans une confrérie de la sorcellerie, et que le dragon qui est en toi, et c'est cela que on a besoin d'un entretien avec toi. Sérieux, pour que les packs, certains packs soient brûlés. D'accord? Je n'ai jamais pratiqué cette chose. Moi, je t'ai dit ce qui se passe. Non, c'est là, ça n'engage que toi. D'accord? Si vous avez quitté la Suisse pour venir ici, c'est pour se faire aider. N'est-ce pas? Moi, je suis un expert dedans. D'accord? Je connais mieux que ça. D'accord? Voilà. Je sais ce qui se passe. Ce qui se passe dans ton corps, je le sais. D'accord? Je ne suis pas en train de t'accuser. Je suis en train de parler de quelque chose qui existe en toi, qu'on a besoin d'être chassé. D'accord? Ok? Ça va? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous délivrer? Mettez les enfants juste devant. Vous êtes venus à des enfants. Mettez-les. On va vous délivrer, d'accord? Soyez patients. J'ai raté mon TGV parce que j'ai... Mais moi, ton emploi du temps, c'est toi qui... J'ai attendu plus loin, j'ai raté mon TGV. Mais vous voulez que je fasse quoi? Je ne sais même pas où dormir. Maintenant, on va vous... Qu'est-ce que vous voulez? Je prends votre nourriture en compte. Et demain, maintenant, payez-moi pour...
tu seras bien logé, sans gêne. Et on te donnera à manger. Faut pas, on ira jusqu'au bout. On va prendre ton pied. Hein, et puis, tu iras libéré. Faut pas t'angoisser pour ça. Je suis ton papa. Je te confie ça. Je vais manger quoi ce soir? Sans graines. Sans graines, n'importe quel. Dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis qu'elle est dit? Et Adro? Adro? Je ne pense pas que ça vient parce que je Moi, j'ai un plat de terre. Ça va aller, ma fille, avant de te loger, d'accord? Le petit moyen que Dieu nous a donné, on va t'aider, d'accord? On va te faire manger, on va les chasser, d'accord? Non, non, garde, reste là, quand même. Quels sont ceux qui se ressemblent dans la sorcellerie? Je ne suis pas en train de m'amuser. J'ai déclenché un truc. Si vous traînez ça, je passe un autre chapitre. Quels sont ceux qui se sentent dans la sorcellerie, qui ont besoin d'être délivrés de l'esprit de la sorcellerie? Je vous donne 5 minutes et puis on chasse le démon. Vous mettez là debout. Encore toi? Ça va? Tu es élégant, hein? Ça agit très bien, c'est déjà bon. Mais c'est l'intérieur qui n'est pas bon. Ça, c'est vous, mon docteur, je viens vous voir. Amen. Amen. Merci pour ton humilité, c'est déjà bon. Mais le pas que tu vas franchir sera le plus grand des pas. On va faire Naïri go go go, Naïri go, Naïri go go go, Naïri go, Naïri go, Naïri go, Naïri go, Naïri go, go go, Naïri go. Ça veut dire, derrière, il va vouloir. On l'a entendu, donc on peut aller derrière. Il va faire ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens sont prêts, ils veulent confesser. Mais après, ma chérie va prendre. Il va vous être étonné. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas tiré, c'est toi qui es venu. Tu te reconnais dans la sorcellerie. Très bien. Je suis le docteur de ça. Je suis le maréchal de la brigade de mangeurs. Vous voulez délivrer? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Faut pas aller. Ici, là, tourner, faire des petits bachelets. Non. Faut dire ce que tu fais directement en quelques minutes. Je te délivre tout de suite. Amen. Oh, laissez à faire, je suis devant vous. C'est une question de tu vas prendre le micro et tu vas nous dire ce que tu fais. Mon frère, moi, je ne vois rien. Vous êtes venu pour quoi? Je suis venu pour me faire délivrer. De quoi? De la sorcellerie. Mais qui t'a enlevé là-bas pour t'envoyer ici? On m'a mis la sorcellerie. Non. J'ai posé une question. Qui t'a enlevé là-bas? Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé ici? Non, c'est moi. Ah, donc, tu es la sorcellerie ou pas? Oui. Hein? Oui, j'ai la sorcellerie. Pourquoi les sorciers d'Abidjan et de Paris au village, c'est la même chose? Vous allez discuter. Qui t'a envoyé ici? Je vais demander à l'Esprit de Dieu de guérir la vérité. Non, c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est toi qui es venu. Ils ont mis la sorcellerie en moi, mais moi je ne crois rien. Mais maintenant, pourquoi tu viens là? Pour demander parce que c'est pas moi. Hein? Moi je ne sais pas moi, ils ont mis ça, mais je ne crois pas. Mais maintenant, pourquoi tu es là? Pour me faire délivrer de quoi? La sorcellerie. Quelque chose que tu ne sais pas. Pourquoi je t'ai délivré? Parce que vous avez vu, ce que vous avez vu, c'était confirmé dans les églises, je fais les églises. Ah, moi j'ai vu, et à cette heure confirme à beaucoup d'églises. Vous aussi, ce que vous avez, c'était confirmé. Donc d'abord, avant que moi je ne voie la chose. Oui, avant que vous voyez la chose. Mais est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé ce soir? Non, c'est moi qui viens. C'est toi qui es venu. Délivré. Tant que tu ne vois pas, je te délivre pas. C'est un principe. Je ne délivre pas quelqu'un qui n'est pas conscient de quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure, la société est consciente. Ce n'est pas sur la base de comme tu as vu. C'est dangereux. Comme je la chauffe, voici ça, voici ça, voici ça. On te délivre.
c'est ça. Oh non, non, je rentre pas dans ce jeu, s'il te plaît. S'il vous plaît. Non, c'est moi qui dis s'il te plaît. Je te respecte. Mais il faut nous respecter. Voilà. S'ils ont vu, avant que tu n'arrives là, ils ont vu ça. Tu nous prends, c'est ça qu'ils ont connu pour faire le temps de gens. Ils ont vu comme vous, vous avez vu la même chose. Bon, et que toi, tu vois rien. Moi, je vois rien parce qu'en fait, ils noircissent ma mémoire quand ils prennent mon âme tous les soirs. Et je vois rien du tout. Et je peux jurer de manger. En fait, ils noircissent. Le jour où tu auras la mémoire, viens, viens. On est d'accord? Hein? Mais qui t'a dit que tu n'es pas sincère? Parce que je ne vois pas en fait. Mais si je te force? Non, moi je viens pour. Mais est-ce que je t'ai forcé? Non, je viens pour. Mais non, dégage, laisse le micro. Mais est-ce qu'on t'a forcé? Non, moi je viens pour que vous enlevez ça. Mais les gens ne disaient pas, il a enlevé ça pour moi. Parce que vous voyez la chose en moi, parce que vous avez non, non, pas sur. Qui a ça? Qui a ça? Ah mais on a déjà fini avec toi. Elle en a déjà fini avec son histoire. Je vous donne 5 minutes. Si vous ne rentrez pas dans ce que je suis en train de faire, parce que vous, c'est pas vous qui m'apprenez comment faire. Ok. Ça va, les enfants, touchez la tête des enfants. Mettez la main sur la tête. Vous venez de la Suisse pour qu'on délivre l'enfant. Mais l'enfant est où? Hein? Mais moi je parle et ça vous dit rien. Tout ce que j'ai dit là, vous n'avez pas saisi. Vous n'avez rien entendu dans ce que j'ai dit. Moi j'ai dit que je ne voulais pas passer en direct. Hein? Je voulais pas passer en direct. Mais tu as dit à qui? Mais j'ai dit à envoyer des messages. Je voulais que ça se passe en direct. Pardon? Je voulais que ça se passe en direct. Donc tu m'invites en Suisse? Comme ça, je vais faire ça en privé en Suisse. On est d'accord? Hein? Ta fille, elle est sorcière, c'est ça? Il faut lui poser la question, papa. Ah non, j'ai un problème avec toi? C'est comme ça que tu me parles? Ah non, mais c'est très insolent de ta part. C'est très insolent de ta part. Bon, j'ai tout cette technique et plus jamais je ne reviens la maison. Touchez la tête de mon enfant. Je prie que la puissante main du Seigneur se manifeste dans votre vie, que la gloire du Saint-Esprit se manifeste, que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Je vais chasser toute forme d'esprit, je vais condamner tout pouvoir mystique, je vais condamner tout pouvoir des ténèbres en vous, je vais condamner, je vais détruire toute présence qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans votre vie. Je proclame la puissance de Dieu, je proclame la Seigneurie de Dieu. Seigneur, étends ta main sur ces enfants. Donne, Seigneur, ces enfants, cette capacité d'avoir une mémoire de l'intelligence éternelle, notre Dieu. Donne à ces enfants d'évoluer dans leur vie. Seigneur, accorde la protection à ces enfants. Bénis-les de ta grâce, de leur Dieu, Seigneur, notre Dieu. De la même manière que tu as bien les enfants, t'aimes les bénis, Seigneur, notre Dieu. Protège-les, Seigneur, contre toute initiation, contre toute forme d'initiation, et qui garde-les dans les feux de ta main. Au nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Amen. Voilà, toutes les personnes qui aimeraient, n'est-ce pas, féconder, tous ceux qui ont problème de stérilité, tous ceux qui ont problème de cancer, tous ceux qui ont problème de sida, tous ceux qui ont des problèmes incurables, des maladies incurables, mettez vous juste devant. Mais enlevez les enfants, enlevez les enfants devant. Enlevez les enfants. Mettez-vous devant. Retirez les enfants, retirez les enfants. Le diabète, le cancer. Ne t'inquiète pas, on va te loger. Hein? Non, non, non. Vous savez que Jésus est le médecin par excellence. D'accord? Il est capable encore de vous guérir, vous croyez à ça? Amen. Vous savez que les médecins ne font que seulement soulager. Amen. Ils n'ont pas cette force, l'onction de guérison. Non. Vous savez ça? Amen. Il n'y a que Dieu seul qui peut vous guérir. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui peut changer votre destinée. Amen.
Il n'y a que Dieu seul qui peut restaurer votre vie. Amen. Posez la main à vos têtes. Touchez vos têtes. Pendant que vos mains sont imposées à vos têtes, je vais parler à toute forme de maladie. Cette maladie logée dans votre sang. Cette maladie logée dans votre sang. Cette maladie dite peut-être incurable. Cette maladie qui est en train de brûler dans ton corps, que la science ne peut guérir. Mais nous savons que Jésus-Christ est le médecin par excellence. C'est cela que aujourd'hui, pendant, maintenant, même à cet instant, je maudis la présence de ce mal. Amen. Une onction spéciale descend sur toi. Amen. Depuis ta tête jusqu'à les plans de tes pieds. Amen. Et Dieu opère ton miracle. Amen. Je chasse le cancer de ton corps. Amen. Je combats le diabète maintenant même. Amen. Toute forme, n'est-ce pas, de tension dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais chasser l'esprit du sida. Amen. Je chasse toute forme de maladie. Amen. Maintenant même. Amen. Une onction te saisit. Amen. Quelque chose en train de se passer depuis ta tête jusqu'à les plans de tes pieds. Dieu te visite. Touche. Touche. Dieu te visite. Dieu te visite. La force de Dieu. Voilà, derrière. Quelque chose se passe derrière là. Quelque chose se passe derrière. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de la guérison. La puissance du miracle. La puissance de la restauration. La puissance de Dieu te visite là, maintenant. Quelque chose se passe dans ton corps. Reçois. 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 Quelque chose se passe, Dieu chasse dans ton sang la maladie. Dieu chasse la présence de la maladie dans ton sang maintenant même. Reçois, 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 reçois la puissance de Dieu. Dieu chasse cette présence dans ton sang. Dieu chasse, recevez la grâce de Dieu. Amen. Recevez. Maintenant, je détruis toute forme de stérilité en vous. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois le miracle de Dieu. Dieu te délivre maintenant. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus te libère maintenant. La puissance de Jésus-Christ te libère maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Recevez une onction particulière sur votre vie. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la grâce 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 de Dieu. Recevez cette puissante main de Dieu qui vous guérit maintenant. Quelque chose se produit en vous. Le mal part. Le mal disparaît. Le mal en train de partir de ton corps. Le mal part de ton ventre. Le mal part et disparaît de ton sang. Reçois le miracle. Le démon qui est à la base de ce mal en train de partir sous la puissance de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la main de Dieu sur ta vie. Reçois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Une onction de miracle est communiquée. Une onction de miracle est communiquée. Reçois. Reçois, 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 reçois la grâce de Dieu, reçois, reçois. Je proclame ta délivrance ce soir. Je proclame ta délivrance ce soir. Je proclame ta délivrance ce soir. Ce soir ta délivrance dans le nom de Jésus. Je proclame, je te proclame guérison. Reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois, reçois, reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois, reçois, je te communique la guérison. Je te communique, je te communique, je te communique, je te communique, je te communique au nom de Jésus-Christ. Reçois, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois cette 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 grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Dieu vous guérit, Dieu vous guérit, Dieu vous guérit maintenant même. Recevez. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu qui vous guérit maintenant, qui vous restaure maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu,
la puissance de Dieu, reçois ton miracle. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance, recevez la grâce de Dieu sur votre vie, recevez la puissance de Dieu, recevez la grâce de Dieu, reçois la puissante main du Seigneur, reçois la grâce, reçois la puissance de Dieu, recevez la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. J'arrive mardi, je serai mardi à Londres. Ce mardi, je serai à Londres par la grâce de Dieu. À partir du mardi 24 jusqu'au 27, nous serons à Londres par la grâce de Dieu. Voilà. Pour des grands programmes. Je vous communique la puissance de Dieu. Je vous communique une onction particulière. Je vous communique la grâce de Dieu sur vos vies. Je vais condamner l'esprit des ténèbres. Je chasse toute force des démons. Les démons mystères, les démons guerriers sur vos vies. Je détruis au nom de Jésus-Christ le cancer dans ton sang et dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans ton sang et dans ta vie, par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Maintenant même, reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle et reçois ta guérison.